Salut à tous, c'est Moustiki50, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de Uncharted 4. Et ça tombe bien parce qu'en plus on va faire le chapitre 4, quel raccord. On peut dire bravo Moustique. Non, je déconne. Donc la dernière fois nous sommes arrivés, nous avons réussi à échapper. Enfin non, on s'est fait capturer d'ailleurs par la police ou les gardes du musée turc, pardon. On a pas quand même, et on a passé 3 mois en prison, mais Sully est venu nous libérer avec Chloé. Et nous sommes allés à Bornéo, nous allons attaquer le nous allons pour aller chercher les fichiers de Lazarevitch. Et nous avons mis des explosifs pour attirer l'attention de Lazarevitch pour qu'on puisse aller chercher ces fichiers. Et tout ça avec l'aide de Sully et de Chloé aussi. Allez, on est parti. Alors, tac, c'est par là, je crois. Je crois que je peux voir le camp. Oui, c'est par là, effectivement. Ok, t'es prêt. Attends. Une seconde. Trois mois et vous n'avez rien trouvé. Oui, mais attendez, on sait. Ça doit être Lazarevitch. Cet homme nous a volé des artefacts sur le site numéro 5. Tu me trahirais pour ça? Non, non, Zoran, je peux t'expliquer. Non, non, c'est pas la peine, t'inquiète. Je suis entouré de traîtres et d'idiots! Ça te dirait de lui pourrir sa journée pour de bon? Vas-y. Déployez-vous! Fouillez le périmètre! Go! Allez! C'est parti! Ok, à toi de jouer. Vas-y, je te couvre. T'as pas l'air de déconner avec le Lazarevitch. Ils ont laissé quelques sentinelles derrière. Bah normal, bien. Ça c'est intelligent pour un méchant, je trouve. Ok garçon, c'est l'heure du feu d'artifice. Allez dodo. Tu peux me donner tes munitions? Merci. Ah d'accord, j'ai plus d'armes. Tu nous fais pas assez pour cette merde. Ah oui, j'ai perdu mes armes tout à l'heure au combat. Eh toi, viens voir. Bim. Ouf. Oh, je lui ai pété le nez. Oh, le respect est mort. Ok, il en reste combien? Planque-toi, couillon. Ah, merde, il m'a vu, je pensais pouvoir passer. Oh, ça a dû faire mal. Bah, il est un peu mort. Hein. C'était très bizarre la position que le mec avait, il s'est laissé tuer en plus. Bon, ça je vais pas me plaindre, mais c'était quand même très bizarre. Ah, il me semblait bien que j'avais vu un truc briller dans l'eau. Bon, on va ramasser le plus de munitions possible, hein, tant qu'à faire, on va se stuffer. Bah je crois que j'ai fait le tour du stuff. Ah bah je suis plein de toute façon. Lazarevitch fait pas les choses à moitié, Sully. Tu verrais ses dossiers. Il a des infos sur chaque expédition pour trouver Shambhala, et... depuis le 17e siècle. Le journal de Marco Polo. Il est là. Dépêche-toi, t'as plus beaucoup de temps. Ouais. Le vaillant pèlerin reçoit un passeport en or pour braver les obstacles sur sa route vers Shambhala. Oh. C'est censé avoir un sens? Je sais pas. Attends. Ça continue. C'est avec grand peine que j'ai abandonné mes compagnons à leur destin, un destin scellé par l'affreuse cargaison dérobée à Shambhala. Ils ont pensé que ce tsunami était une sorte de punition divine. Une petite minute. Merde, je crois que la pierre de Shintamani est ailleurs. Quoi? Écoute ça. J'aurais préféré endurer la fureur de Kubilai Khan lui-même que de soustraire la pierre de Shintamani à son tombeau sacré.
Marco Polo n'a jamais eu la pierre. Mais qu'est-ce que c'est que cette affreuse cargaison, alors? J'en sais rien. Mais si la pierre n'est pas là, qu'est-ce que Lazarevitch cherche à retrouver? Shambhala. Là, à Bornéo? Ce serait quand même un peu gros, tu crois pas? Il cherche à retrouver les traces de Marco Polo, direct, jusqu'à Shambhala. Quoi? Parce que la pierre y est toujours. Chloé, tu m'entends? Attends. Oui, je suis là. Au cours de toutes leurs recherches, est-ce qu'ils ont trouvé des corps ou des dépouilles? Non, maintenant que j'y pense, rien du tout. Pourquoi? Plus de 600 personnes se sont échouées ici, mais pas un seul corps. Vous trouvez pas ça louche? Où est-ce qu'ils sont passés? Vous iriez où en cas de tsunami? Le plus haut possible. Bingo. Grimpons sur cette montagne. Je parie qu'on y trouvera nos hommes. Chloé, tu nous retrouves là-bas? Je suis déjà en route. Super. Oh, Nate, prends tes jambes à ton cou. Laisse-moi encore quelques petites minutes. Ça va pas être possible. Bon sang. Ils sont morts! Oh, merde! Dispersion! Bouge pas, gamin. Je te cours. Allez, du fight! Cool, c'est pratique. On se disperse. Allez, tuto grenade. Oh, triple kill! Allez. En mode extrême, c'est hyper compliqué, je m'en rappelle ici. Bon là ça va, c'est facile, c'est normal. Hop là, la grenade. Oh putain, la vache, c'est quoi ce lanceur? Waouh. Ok, alors lui, le mec, c'est un pro de la pétanque. Du coup, on va se retaper le tuto grenade, là. Soyez vigilants. Ok, c'est bon, il est décédé. Lui, il est bugué, hein. Cet homme était magnifiquement bugué. Eh merde! Ah shit! Attention! Ah ouais, toi t'es venu jusqu'ici comme ça. J'arrive de front. Oh la patate! Et voilà. Je suis toujours impressionné par le lancer de grenade de l'autre de tout à l'heure là. Putain l'enfoiré! Rasage et coupe de cheveux gratos! Faites-le sortir! Hi hi hi! À l'abri! Oh là là, ça y est, je meurs comme une merde. Bon. Va falloir de la concentration, désolé si je parle pas d'avance. Allez, vous prenez ça. Toi, prends ça. Comment on fait pour annuler? Oh non. Bon, merde, bon. Ok, alors lui, il est pas mort. Tiens, ta petite tête. Voilà. Ok, toi je t'ai vu. Oh, bien joué, Sully! Oh, beau! Ça, c'est du sniper. Tiens, attrapez ça pour voir. Wow! Toi, t'étais dans la merde. Ah, fais chier, j'ai pas eu le temps de l'avoir. Ça passe. Oh oui, double. Bon, je suis pas hyper précis, hein, je suis désolé. Merde. Grenade. Attrape ça. Est-ce que je peux en reprendre des grenades?
Yes. C'est parti. Bon, je suis dans mon spot, moi je campe. Bon, à un moment donné, il va falloir des munitions, mais bon. Ok, c'est bon, on en a repris des munitions justement. Hop, on va s'en remettre à l'abri, on va camper. Oh putain, ouais, je vais mourir là, c'est vrai. Oh putain, c'est un. Un fusil à pompe man. Eh, prends ça! Voilà. Des munitions peut-être. Toi, t'as des munitions de AK? Non? Non, t'étais au flingue. Ah, tu fais chier. Hein. Où est-ce qu'il y en a d'autres? Là-bas. On touche pas à celui-là, les mecs. Voilà. Où ça? Qui c'est qui a dit que je l'ai? Qui me tire dessus? Ils sont trop nombreux! Mais je sais même pas, t'es où? Voilà. Ah oh, merde, où ça? Je vais faire ce que je peux d'ici. Wow, ça, ça va, ça t'est plutôt géré. Oh putain. Où est l'autre? Oh, ça lui fait mal. Ok, ok. Wouah! Oh, il m'a surpris. Je me suis fait avoir. Oh non, j'espère que je reprends. Je reprends à la tour. Ouais, c'est bon. Ouais, ouais, je vais la détruire la tour, t'inquiète. Laisse-moi juste survivre à ça et j'arrive. Non. C'est bon, j'ai réussi à avoir la tour. C'était chaud à la fin là. Tac tac tac, des. Voilà, des munitions d'AK, c'est ça que je cherchais. Fusil à pompe, non. Bon, on va rejoindre celui, je suppose. Là. Tandax, tandax, hein. Un peu compliqué, un peu de fail, j'avoue. Ça doit être par là. Ouais, c'est par là, je suis sûr. Désolé, c'est tout calme. Regarde ces pierres. Ah, je crois qu'on est sur la bonne voie. Ah là, c'est... j'ai l'impression que c'est pas un fond vert là, je trouve ça plus beau. Allez, capture d'écran. Parce que c'est quand même un respect. Ah, c'est beau. De toute façon, les Uncharted en général sont beaux. Hein. Hey, regarde ça. Oh, ouais. Même le premier qui a un petit peu, qui a quand même pas mal vieilli, est plutôt classe. Qu'est-ce qu'on a là? Avec un peu de chance, c'est la dernière demeure de l'équipage de Marco Polo. Vous devrez peut-être vérifier. Allons-y. Ouais. Oh, cet endroit doit avoir des milliers d'années. Au moins.
Ok, là. Je voyais pas grand chose. Waouh, on dirait qu'on a décroché le gros lot. Ah, il doit y avoir des centaines de corps ici. Regarde leurs dents, elles sont complètement noires. Merde, ils sont tous comme ça. Ils ont dû venir se réfugier ici pendant le tsunami. Il doit y avoir des indices par ici. On a vu que celui-là marche très bien en arrière. Il gère le moonwalk. Oh, Batman. Hey, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Par ici. Encore de la résine. C'est pas la première fois. Celui, la lumière. C'est stylé, ça fait peur mais c'est stylé. Attendez, j'aimerais bien essayer de montrer les yeux. Voilà, oh, vous avez vu les yeux de Sully ou de Chloé, c'est trop stylé. Attends une minute. C'est du sang. Il y en a partout. J'adore ce genre d'effet. On dirait un vrai massacre. Okay. Alors, on va suivre le sang. Suivons les traces de sang. Voyons si elles mènent quelque part. Non, je ne fais pas de douteuse sur les femmes et leurs règles. Même si je viens de le dire. Tac, là, tac, tac, tac. On suit. Par là. On dirait qu'elle s'arrête à ce mur. Ouais, c'est bizarre. Ça bouge un peu. Sully, aide-moi. Allez, poussons encore. Oh, chouchotte. La piste conduit ici. Oh merde, encore des cadavres. Oh mon dieu. Tu sais, je suis peut-être dingue, mais on dirait qu'ils se sont tous entretués. Allez, Nate, tu t'es juste fait repérer. What? Wow. Regardez. Qu'est-ce qu'on a là? Attention. Putain de merde. Je rigole. Mec, tu vas me faire faire une crise cardiaque. Waouh. Waouh, ce truc me file la chair de poule. C'est quoi, une sorte d'arme? Non, non, c'est un purba. Un objet rituel du Tibet. On s'en sert pour braver les obstacles. Hein? Tu vois, des obstacles spirituels. Oh. Attendez. Ça pourrait pas être de ça que Marco Polo parlait? Nate, je sais même pas de quoi tu me parles. Dans son carnet, il a écrit que le vaillant pèlerin recevra un passeport en or pour braver les obstacles sur sa route vers Shambhala. Et alors, c'est ça? Bon, c'est très intéressant, mais c'est un passeport pour où, exactement? Cette carte nous aidera peut-être. Fais-moi voir. Entre l'Inde et la province du Tibet se trouve un champ de temples aux finitions exquises, avec des centaines de flèches dorées qui s'étendent à perte de vue. Attendez, je connais cet endroit, c'est au Népal. Ouais, sauf que ce n'est plus un champ de temples, c'est une ville. Voilà qui va ajouter un peu de piment. Attendez la suite. Parmi tous ces temples, un seul dissimule le chemin secret vers Shambhala. Et ce chemin ne sera révélé qu'aux pèlerins qui possèdent le passeport d'or. Ok, bien joué, gamin. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Fichons le corps d'ici. Ok. À plus. Faut qu'on y aille. Allez, on y va. Shambhala. Le Népal. Je me rappelle que quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu y aller. Puis bon, j'ai grandi, puis bon.
Ça m'a moins intéressé. La vie très évidente du Moustique 50, je sais. Alors, je vais m'assurer que la voie est libre. Hop. Tu me donnes un coup de main, Nate ? Ah bon sang. Allez. Harry ! Par ici ! Ils doivent pas se tirer. C'est Drake. Mais qu'est-ce que c'est ? Les mains en l'air. Ah, tu sais vraiment les choisir. La ferme, celui. J'aurais dû savoir que c'était toi. Et toi, ce vieux Victor Sullivan, tu trimbales encore ce sac à merde avec toi ? Tout doux, Nate. T'as du cran pour un gars qui vient de passer 3 mois derrière les barreaux ? C'est toujours mieux que de passer 3 mois à se paumer dans la jungle. J'ai trouvé les navires, non ? Tu trouverais pas ton cul avec une boussole ? Et une carte. Ils sont sortis de là-dessous. Oh. Et regarde ça, Harry. En parlant de cartes, entre l'Inde et le Tibet, un temple révélera un chemin vers Shambhala. Putain, Flynn, on n'a pas le temps. Bon, allez, sois pas mauvais joueur. Amène-les à Lazarevitch. Je te jure que tu vas regretter la prison. Allez. Allez, on continue. Merde. Tu vas bien ? Ouais, bah, comme ça, ce sera plus crédible. Je vais tenter de te faire gagner du temps. Non, Chloé, tu dois venir avec nous. Non. Retrouve-moi au Népal. Bon, allez-vous-en. On y va. Elle me plaît. Ouais, ça m'étonne pas. Elle est forte hein, pour jouer des deux camps. Ils nous ont repérés. Une bonne infiltrée. Waouh, waouh. Hop. Salut toi. Hop. Hop. On se casse. Ah, merci tac, pour le coup de main. Vite. Allez, allez. Quel enfoiré. Allez, grimpe. Oh Nate, me dis pas que tu peux pas le faire ça. Par là. Oh, et merde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le saut de la mort. Attends 2 secondes mon pote. Tu réfléchis avant de parler? On va se briser le cou là. Ouais, mais si on se fait choper, c'est Lazarevitch qui le brisera pour nous. Je deviens trop vieux pour ces conneries. Oh, s'il te plaît, tu vas pas recommencer avec ça. Écoute, je suis moins chanceux que toi. Les gars comme moi doivent savoir quand il est temps de partir en retraite. Sully, on va se sortir de là, ok? On s'en sort toujours. Ouais. Va retrouver ta copine au Népal. Je préfère partir au soleil. Ça va. Hé, tu pourras tout me raconter quand tu rentreras. Ils sont là! Oh, merde. Bon. On y va? Après toi, vieux. On va en enfer, gamin! Yaha! Merde! Fais chier. Tu disais que Lazarevitch avait un avantage, tu rigolais pas. Il a été aidé par les guérillas locales. Ça faisait des années que la guerre civile couvait. Il lui a juste suffi de jeter un peu d'huile sur le feu. Charmant. Ouais. Bref, le chaos qui règne lui permet de détruire la ville à la recherche du bon temple. Nate ? Allô ? Ouais, je t'écoute. T'as pas changé d'avis, j'espère. Qui, moi ? Jamais. Bien, parce que je suis prête à en finir avec ces clones. T'as une carte ? Ouais. Je te retrouve au vieux marché. C'est assez calme là-bas. Ok, compris. J'ai de la compagnie. Oh, génial. Tu peux les semer ? J'ai bien peur qu'ils soient déjà trop tard. Allez. Nate, tout va bien ? Je connais mieux.
on se retrouve pour le prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire ou à partager la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous, portez-vous bien!